Buongiorno a tutti e tutti. Non, non, je suis pas d'origine italienne. Hein. C'était juste pour le petit délire. Voilà, ça c'était. Donc, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Tout simplement pour la présentation de Déverless. Vous allez vous dire, ah ben enfin, quand même, c'est pas trop tôt. Ouais, vous avez tout à fait raison, c'est pas trop tôt. Donc, alors, déjà, commençons par le commencement. Pourquoi Désirless? Et ben ça, en fait, c'est à cause de cauchemars de ma femme. Alors, pour être précis, deux cauchemars. Le premier, elle a fait un cauchemar que je la trompais avec une certaine désirée. D'où le désir. Désir, désiré, désiré, désir. Voilà. Ça, c'est fait. Le deuxième, elle a rêvé que je me plantais méchamment avec une moto rouge. Alors, vous allez vous dire, pourquoi il nous parle d'une moto rouge alors qu'elle est verte? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, j'avais des vues sur un Hornet rouge. Alors, j'aurais préféré un Hornet. Je dis pas que j'aime pas ma moto. Je l'ai acheté, c'est bien que je l'aime. Mais j'aurais préféré un Hornet. Donc, less, c'est moins en anglais. Donc, comme je la préfère moins qu'un Hornet, même si je l'aime bien, less, moins, voilà. Et, dernière petite chose, Desireless, ça fait référence à une chanteuse que vous connaissez tous plus ou moins, qui chante. Et en moto, on voyage. Voilà, on se libère l'esprit. Même si c'est une heure, une demi-heure, on se libère. Donc, on voyage. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté du petit nom. Donc, maintenant, on va passer à la présentation en elle-même. Donc, Desireless est une Yamaha XOJ 600 Diversion S de 1993. Ouais, 1993. Ça fait à peu près les deux tiers de mon âge. Le tiers de mon âge, quoi. Voilà. Oui, les deux tiers. Voilà. Je l'ai acheté avec 67 000 km. Le tapis de réservoir, le top case que j'ai pas, le livret avec toutes les factures d'entretien, la revue technique, et quoi d'autre encore. Enfin bref, et tout ça pour à peine plus que ce que j'ai réussi à revendre Titine. Alors pour ceux qui connaissent pas Titine, regardez mes autres vidéos d'avant, c'était ma 125 chinoise, Superman. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez l'historique de son nom, l'historique de la machine. Ah oui, donc ça fait un an que je l'ai, du 25 octobre. Un an. Donc, happy birthday. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour avant de faire le tour des modifications que j'ai apportées. Voilà, allez, à toutes.
Bon alors, maintenant que j'ai fait mon petit tour, on va faire un petit tour de la bête. Donc, le tour de la bête, avec les petites modifs que j'ai faites. Donc, je l'ai acheté le 25 octobre 2017. Donc, il y a un an. Ce que j'ai fait en courant novembre, mes petits embouts de poignée perso en inox pour se rapprocher un max du poids des embouts d'origine. Donc les embouts d'origine étaient à 300 grammes, sur cela je suis à 304 grammes. Donc je suis au poids d'origine. Ensuite, donc à Noël, j'ai eu mes petits leviers d'embrayage et de frein. Donc coloris titane et là la petite molette coloris inox. Voilà. À Noël toujours mes protège-mains avec de LED. Donc là la LED blanc bleuté pour la position et la LED ambre pour le clignot, même si là ça se voit pas trop, ça se voit mieux de nuit, je referai une vidéo. Voilà. J'ai changé l'ampoule. Je suis passé en LED, ça change la vie. À Noël toujours les petits clignots, sauf que comme ils n'étaient pas assez longs, j'ai été obligé de faire des entretoises pour les écarter. Bon, à l'avant c'était pas trop grave, mais c'est surtout à l'arrière. Donc si j'avais pas mis mes petites entretoises, ils auraient été vraiment au ras de la plaque. Et ça, non, pas top. Prise allume-cigare et prise USB avec l'interrupteur, le support de téléphone qui va bien. Bon, ça c'est comme j'ai fait mon petit câblage pour mes protège-mains, histoire de couper la LED blanche quand je mets le clignotant. Une alternance ambre noir se voit mieux qu'une alternance ambre blanc. Voilà, enfin ça c'est mon avis perso. Donc j'ai une position jour, une position nuit. Donc position jour, j'ai pas l'éclairage blanc, j'ai juste les clignots qui fonctionnent. Et position nuit, j'ai l'éclairage blanc qui se coupe quand je mets le clignotant. Enfin, ça se coupe que du côté du clignotant, l'autre côté ça reste blanc. J'en ai profité pour me mettre une fonction warning. Bon là, faudra que je règle mes centrales parce que j'ai un décalage entre gauche et droite, ça fait un peu sapin de Noël. Mais ça, je le ferai après la balade des Pères Noël. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, donc mes rétros, un peu dans le look des Z, look carbone, pour assortir au look carbone de mes protège-mains. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Ce que j'ai fait d'autre, ah oui, c'est ma veilleuse en LED verte, voilà. Et l'éclairage compteur en LED verte aussi. Mais ça, c'est pareil, ça se voit mieux de nuit. Donc je referai une petite séquence de nuit tout à l'heure. Donc sur ce, arrivederci, à la prochaine. Alors comme promis, on se retrouve de nuit pour les éclairages. Donc on va déjà faire la veilleuse, voilà, avec la petite LED verte, voilà, l'éclairage compteur en LED verte également, voilà. Donc là on passe en feu de croisement. Voilà. Ça éclaire. Voilà. Donc là, je suis en mode jour et je passe en mode nuit. Voilà. Donc là, clignot à gauche. Et voilà. Ah oui, chose que je ne vous ai pas dite, c'est que je me suis rajouté des témoins séparés. Donc gauche et droite. Voilà. Et le petit mode warning qui fait sapin de Noël. Donc les petits clignots de shaft qu'on voit devant et derrière.